Wesh, mais vous faites quoi? Vous allez où? Tu vas où? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Hashmi et les Dinins à Marrakech et avec le singe Mowgli. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Je les pédale déjà. Je les ai convaincus. Wesh, mais vous faites quoi? Vous allez où? Tu vas où? Mais comment tu touches les pédales déjà? Ah, il est en bas. Comment ça tu vas là? Waouh, waouh. Arrête, oh. Arrêtez, oh. Wesh. Je les ai convaincus de faire un demi-tour. Ils essayent de faire un tout droit. Oh, attention, tu vas te manger le palmier. Belek, 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 belek. Oh là là, catastrophe. Tu as failli taper. Tu te rends compte? Oh, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu as pas. Oh, Laisse-moi conduire. Là, je viens de vous ramener à Carrefour. Vous avez 5 minutes. Ramsetra hier pour aller prendre tout ce que vous voulez. Oui. Okay, ok. Vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1. Top. Allez. Eh l'équipe, je suis dans un film. Voilà, je suis dans un film. Encore plus que 2 minutes. Plus que 2 minutes. Carrément, il a pris carrément tout le pack de Milka. Eh, je suis mort de rire, voilà. Top, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Mais tu es au courant que le temps il est terminé, le World Fête. Vas-y. Vas-y, mets-la, remplis quand même. Vas-y, remplis. Ils ont pris tous les Kinder du Carrefour. Je suis mort de rire. Eh hey, mais il s'arrête jamais, tu t'arrêtes jamais toi, c'est un truc de fou. Wow. Hey, l'équipe, ils ont pris pour tout le magasin, ils l'ont vidé le magasin, c'est un truc de malade. Ici, c'est devenu des stars l'équipe, voilà, tout le monde prend des photos avec eux. À Marrakech, c'est un truc de fou, là c'est le personnel du Carrefour, dis-toi. Hey, voilà. Ça me fait trop plaisir, voilà, ils méritent trop, voilà. L'équipe, ils ont fait des courses de malades mentales. Pop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chariots. Quasiment un chariot par personne. Ouais, maintenant. Là, l'équipe, on est en train de galérer, guetter. Il y a trop de sacs. Et la voiture, elle est quasiment pleine déjà à l'arrière. Et on est 11 dans la voiture. On a blindé la voiture. Regardez derrière comme ils sont entassés. Wesh, wesh. Et il y en a en haut. Allez, on y va. Enes, Enes, il n'y a que toi que tu dois rentrer. Allez, rentre à Rouah. Ah, Haddi. Allez, allez, sortez les gars, sortez. Wow. Hop là. Oh, la voiture, c'est une dinguerie. Hey, Khorjo, sortez. Oh là là, hein. L'équipe, regardez le ticket de caisse. Il est plus grand que Zaki. Oh là, c'est un truc de fou. C'est la vie d'artiste. Et puis ça. Plus ça. Alors, ça fait combien? Le premier ticket de caisse, il y a pour 380 euros. Et le deuxième, là, le long, il y a pour 1200 euros quasiment. Ça fait 1600 euros. Les gars, Miskine, on est en train de soigner Khalid, là. Je vous montre pas son pied, c'est dégueulasse. Tout à l'heure, il est tombé sale. Il s'amusait entre eux, il est tombé sale. Et franchement, c'est trop moche ce qu'il a au pied. On est passé à la pharmacie. Et là, on est en train, Ben, il est en train de désinfecter. C'est sale, wow. Ça y est. Aujourd'hui, pour la première fois de sa vie,
Mougli, il sait que je vais lui donner à manger. On va goûter. Dépêche. Allez, tiens, mon fils, tiens. Waouh, il a cache tapé un croc. Waouh, wow, les crocs. Il tape ses meilleurs crocs dedans. Tiens, mon fils, tiens une deuxième. Tiens, je t'en donne une deuxième. Allez. Entre 900 000 personnes et 1 million de personnes qui me regardent tous les jours devant mes snaps. Merci, voilà, merci. Merci pour toute la force que vous me donnez et que le bon Dieu vous accorde à tous tellement plus. Et on ira encore loin tous ensemble. Pour toutes les collabs avec moi, l'équipe, ça se passe sur ce snap. La dernière fois que je vous ai partagé ce snap, en fait, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc désolé à tous. En fait, je savais pas qu'il allait avoir autant de messages. Voilà. Là, il y a 2-3 collègues qui m'aident. Promis, je réponds à tout le monde. Voilà. Allez voir la story sur ce compte. J'ai mis toutes mes stats. L'âge, les vues, les stats. Ah, tout mis. Ça se passe ici, l'équipe. Je réalise pas que vous êtes autant à me donner tant de force, que le bon Dieu vous facilite à tous dans tous vos projets. Je vais vous montrer un truc de fou avec Mougli. Tu vois, moi, tout le temps, je lui fais des bisous, genre un peu dans le cou. Tu vois là. Et il aime trop ça. Voilà, l'équipe, il s'est retrouvé à me faire la même chose. Regardez. Est-ce que vos meufs, elles vous font des bisous dans le cou comme ça là? Vous voulez savoir ce qui est triste, l'équipe? Là, tu vois, Mougli, il est tranquille. Mais à chaque fois que je sors de la maison, il pleure, il croit que je vais jamais revenir. Je sais pas, on dirait qu'il est trop traumatisé. Regardez. Là, il est là, tranquille, il est tranquille, il joue, il s'amuse, il est content. Regarde. Je sors de la maison. À chaque fois que je sors de la maison, je vous jure, c'est tout le temps la même chose. Et Mougli, je sais pas, genre il... En fait, je pense que c'est parce que tu as vu, je me suis taillé plusieurs fois en France 2-3 jours. Et genre, en gros, ça l'a choqué, ça l'a traumatisé, tu vois. Et maintenant, il veut plus que je sorte, même je sors une heure, il est dans le mal. L'équipe, merci pour les 1 million d'abonnés. Quand je dis 1 million, 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 tous à la piscine. C'est bon? Ouais. Ouais. C'est bon. La piscine? La piscine? À la plage. À la plage. Allez? C'est bon? Les gens normaux, quand ils vont à Marrakech, ils sortent de leur chambre, ils ont une vue sur la piscine, une vue sur le golf. Moi, j'ai une vue sur un camp d'entraînement. Ils font quoi? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et voilà, ils sont trop trop drôles, c'est les meilleurs. L'équipe, j'ai ramené deux coiffeurs. Ils sont là, ils s'occupent d'eux. Et chacun leur tour, on va leur refaire une beauté là, parce que ça va pas du tout. Hein. Bon, je suis sorti un peu loin de la villa. On va essayer d'habituer Mougli un peu à la vie dehors. Vas-y, mon fils. Vas-y. Où tu vas? Mais pourquoi tu retournes vers la villa? Mais tu es un singe, les singes, ça doit aller vers les arbres. Oh là 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 là. On est à côté de l'arbre. Allez, monte sur l'arbre. Voilà, enfin. Enfin, tu te comportes comme un vrai singe. Voilà.
Regardez comme il se régale. C'est ça sa vraie nature, l'équipe. Mon objectif, c'est de le renvoyer, tu vois, dans son habitat naturel. C'est là-bas qu'il doit être. C'est pas dans un appartement ou dans une chambre avec moi. Même si je l'aime trop et je l'aime comme mon fils, pour son bien, faut qu'il parte là-bas. Allez, viens, 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 viens. Ah, ça y est, tu as fait ton petit tour dans l'arbre, tu veux rentrer? Allez, on rentre. Je vais vous montrer un truc de fou, c'est inédit, regardez. La Mowgli, il est avec Maël. Et je vais courir, genre comme si j'allais partir, j'allais m'enfuir et regarder sa réaction. Mowgli! Oh mon fils! Regardez la nouvelle coupe de Zeki! Ta 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 ta! Hein? Avec la petite moustache, hein, beau gosse? Machallah, t'es trop bon! L'équipe, je leur ai tous bandé les yeux ici et je les ai ramenés devant cette table. Actuellement, ils savent pas encore ce qu'il y a devant. Ici, il y a que des bonbons et des gâteaux qui n'existent pas en Afrique ni en Europe. Tu vois? Et ils les ont jamais vus de leur vie. Ça veut dire, je vais voir leur réaction en live. Vous pouvez enlever top. Je leur ai mis l'une des chips les plus piquantes. Hara. Ok. Top. Ils mangent tous et je vais voir leur réaction. Ça va, Zeki? Zeki, ça va? Celui-là, les gars, wallah, il est trop bon. Guettez, genre, c'est des pop-corn avec de l'Oreo dedans. Bon, là, Star, pas mal. On a tout partagé, les gars. Merci beaucoup. Je suis en régime de base. Oh, c'est harm, voilà. Oh là là. Je suis en train de se régaler sur tous les bonbons, les trucs, c'est des partages. King USA, c'est un chocolat, des goûts improbables. Il a des produits. Et là, je m'adresse au copain. Ça, c'est hyper. C'est hyper. Les verres là-bas. L'équipe est. 17 euros. L'équipe, écoutez quand je vais appeler Mowgli dans la maison. Hein. Mowgli! Les verres là-bas. Mowgli! Mon fils, c'est bon, je suis là. Ah, il se calme. Là, il arrête de crier. Regardez, il veut m'enlever la main de ma poche. Parce qu'il sait que dans ma poche, j'ai toujours de la bouffe. Quoi? Quoi? Il a déjà une pêche dans la main. J'en sors une deuxième. Tape un croc. Voilà. Il me comprend trop bien. Je vous jure, je lui parle en français, il me comprend. C'est une dinguerie. Là maintenant, je vais m'approcher, je vais te faire un bisou sur la tête. Ok? Et quand je te fais un bisou, je veux que tu baisses la tête. Au moins, je te fais un bisou là. Ok? C'est bon, quand il fait, c'est qu'il a compris. Allez. Quand je vous dis qu'il me comprend, c'est qu'il me comprend, l'équipe. Donc, félicitations à Hachmi qui a atteint les 1 million d'abonnés et qui va atteindre bientôt les 1 million de vues. C'est bizarre, chaque fois, c'est 950, 920 000 vues.
Tout ça, il a été partagé récemment par Nasdas et il fait pas mal de contenu. Et là, il a 10 nains en plus. Là. 10 nains. Une équipe de foot de nains. Ah ouais, ça serait une bonne idée, ça. Organiser une équipe de foot entre nains. Mais bon, il faudrait trouver une autre équipe de nains. Il y avait les nains boxeurs aussi. Les nains boxeurs qui sont allés, qui ont été snappés par la team Nasdas avec un combat de boxe de nains. Il y a eu une polémique à ce sujet-là, qu'ils ont refusé un show de boxe de nains dans une boîte de nuit. Il y avait Brulux qui snappait avec un nain aussi. Enfin, pendant le confinement, quand ils faisaient les lives, tout ça, un nain apparaissait souvent. Et ouais, c'est le nain de Brulux qui fait les pirouettes, là, tout ça. Ça, je l'avais vu sur la côte. Voilà, et les courses, 1200 euros de course. Mais c'est en dirham ou... Non, il a dû faire la conversion. De toute manière, tu pousses une virgule, en fait. Donc, si c'est 10 000 dirhams, ça fait 1000 euros. Voilà, 10 000 dirhams, ça fait 1000 euros. À peu près, plus ou moins. Ça dépend des cours de change. Voilà, voilà. Donc, c'était la story du jour, les actus du jour, Hashmi. Et voilà, il nous... Comme ça, je donne un peu des nouvelles de Mowgli aussi. Mowgli, toujours là. Et carrément... Ah ouais, je crois que je n'avais pas mis la story. Carrément, il a pris une maison à Marrakech exprès pour Mowgli, en fait. Il comptait revenir en France, en fait, mais administrativement, ça va être chaud pour faire rentrer Mowgli en France. Voilà, je sais pas si c'est autorisé, tout ça. Donc, ça risque d'être un parcours du combattant. Donc, pour l'instant, il reste à Marrakech. Je crois qu'il peut y avoir une solution pour le faire rentrer. Il faut faire les vaccins. Il a fait les vaccins, tout ça, je sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.